Je reconnais que c'est pas mal, hein, quand ça passe comme ça. Je te vois le paysage. Tu me l'avais dit. Hein. Personne n'a jamais vu peindre Robert Hall, sauf sa femme Papou, qui fut dans sa jeunesse modèle de Matisse. Pourtant, un jour de l'automne 1994, Paul Robert Hall me proposa d'assister à son travail dans l'atelier. C'est alors que tout naturellement nous décidâmes d'un commun accord que je le filmerai. Ce film, tourné avec une caméra légère, n'existe que grâce à une grande complicité et une solide amitié entre Robert Hall et moi. Très importante, très lourde, et si on a dedans, dehors, là, on va tomber en lutte avec les choses qui sont là. Ces peintures sont toujours en relation avec une actualité, la sienne, celle de la révolte. Robert Hall travaille par série. Elle s'intitule Guerrilleros, Coexistence, Nature morte et pouvoir. On dit qu'ils ont la rage, les évasions manquées, le monétarisme. Avec ces titres, le peintre revendique son camp, choisit de déranger par la brutalité de sa peinture ou de ses propos, fuit les modes et laisse de côté les spectateurs trop pressés, qui oublie qu'il peint aussi les sangliers et les paysages, et que Courbet est l'un de ses maîtres. Voilà, il y a des sacs par terre, il y a des trucs, des saloperies. Voilà, c'est bon, là. Tourne, Gérard. Jean-Paul Sartre ne s'y était pas trompé, écrivant de lui en 1970 que Robert Hall se mettait tout entier dans ses toiles, alacrité et horreur, poésie et contestation. La relation de Robert Hall avec la peinture est physique. Il est malheureux quand il ne peint pas, dans les moments où les forces de l'inspiration l'abandonnent. Il est heureux quand il explique qu'il aime passionnément peindre, qu'il aime manier la couleur, la matière, et que la peinture passe forcément par un plaisir charnel. Michel Foucault a résumé sa peinture. Ici, peindre la forme et laisser fuser la force se rejoignent. Robert Hall trouve le moyen de faire passer d'un seul geste la force de peindre dans la vibration de la peinture.